J'ai un recours auprès de toi, Seigneur, que jamais plus je ne sois humilié. Tu m'arraches au filet qu'on m'a tendu. C'est toi qui me protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus dans cette cathédrale Notre-Dame de Paris, ainsi que toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent grâce à KTO Télévision. C'est toi, Seigneur, qui me protège. Alors, au début de l'Eucharistie, nous allons nous offrir à l'amour qui nous protège, mais à l'amour qui pardonne. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, purifie-nous au long de ce carême pour que nous parvenions avec un cœur limpide aux fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants parce qu'il était le fils de sa vieillesse et il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci et ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem ? Va donc les trouver de ma part. » Joseph les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin et, avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici l'expert en songe qui arrive. C'est le moment. Allons-y, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dérobé et on verra ce que voulaient dire ces songes. » Mais Rouben les entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit, « Ne touchons pas à sa vie. » Et il ajouta, « Ne répandez pas son sang,
Jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. » Ils voulaient le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne, qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort ? Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites qui passaient par là retirèrent Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, « C'est misérable, il les fera périr misérablement. » Il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La jalousie entre frères ne date pas d'aujourd'hui. Au lieu de regarder Joseph comme le jeune frère disponible pour s'occuper de leur vieux père Jacob, ses aînés ne voient que la belle tunique de grand prix offerte par le père au fils de sa vieillesse. Les pharisiens et les scribes, au lieu de voir les miracles, au lieu d'entendre l'enseignement de Jésus, au lieu de le reconnaître comme le Fils unique du Père, ils ont plutôt peur de perdre leur pouvoir. La parabole que nous venons d'entendre constitue une annonce voilée de la Passion. Les prophètes, puis le Fils, ont été envoyés dans la vigne et ont été tués. C'est pourquoi le royaume de Dieu, figuré par la vigne, a été confié à une nation qui, elle, portera du fruit. Cette parabole est donc l'annonce de l'appel d'un nouveau peuple de Dieu, composé de toutes celles et de tous ceux qui croient au Christ. En ce temps de carême, posons-nous alors la question, nous qui croyons au Christ, quels fruits portons-nous? Parce que le Seigneur, il va venir pour recevoir le produit de la vigne. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Le premier fruit
N'est-ce pas la foi? Tout baptisé a une responsabilité. Il nous faut évangéliser. Il nous faut annoncer la bonne nouvelle. Il nous faut rendre compte de notre espérance. Une foi qui ne se partage pas est vouée à la mort. Premier fruit, la foi. Le deuxième fruit, c'est la transformation de ce monde si violent en un monde de paix, de justice et d'amour. Vous allez me dire, on n'a pas beaucoup de pouvoir, nous qui sommes dans cette cathédrale. Mais peut-être que déjà autour de nous, on peut être transparent de cette paix et de cette justice. Le troisième fruit, c'est la miséricorde. À l'école du Seigneur, nous ne devons pas nous lasser de pardonner et de nous pardonner. C'est la prière du Notre Père. Les autres fruits sont ceux de l'esprit. Si toutefois, nous y sommes dociles. Posons-nous la question en ce carême. La vigne, c'est-à-dire l'Église, est-elle rayonnante de sainteté? En tout cas, c'est ce qu'attend le Maître. Certes, nous travaillons comme de bons serviteurs, mais l'essentiel, c'est le travail de la grâce. Ainsi, nous sommes appelés à être des serviteurs fidèles, humbles, pour laisser transparaître l'œuvre de Dieu, comme nous l'avons chanté dans le psaume. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Oui, car nous aussi, nous profitons des fruits de la vigne. À l'Eucharistie, que de grâces reçues. À la réconciliation, que de pardon reçu. Tous ces fruits nous divinisent. Tous ces fruits nous permettent de répondre à notre vocation, à ce pourquoi nous avons tous été créés, être avec le Seigneur dans l'amour. En tout cas, je peux vous assurer que c'est la vision qui nous comblera de bonheur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Que ton amour, Seigneur, devance tes serviteurs pour leur permettre de bien célébrer ces mystères et qu'il les aide à rester partout à ton service par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église
et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et tend au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Franca, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Dieu nous a aimés et il a envoyé son Fils qui est la victime offerte pour nos péchés. Prions le Seigneur. C'est déjà le salut éternel, Seigneur, que nous commençons de recevoir. Accorde-nous de tendre vers lui de manière à le posséder par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et comme nous le faisons chaque soir dans cette cathédrale, nous saluons Notre-Dame, notre Mère, celle qui nous permet aussi de porter du fruit. Nous lui confions toutes nos intentions, toutes celles que j'ai reçues de la part des auditrices et auditeurs de Catéo. Sachez que c'est Notre-Dame qui les prend et c'est Notre-Dame qui les donne à son Fils. Et le Fils les donne au Père. Et là, nous sommes sûrs que le Seigneur agit. Ave Regina Caelorum.